Les amis, ça y est, c'est officiel, la Batmobile est sur les routes de France. Après plusieurs mois de préparation, de construction, de rénovation que vous avez pu suivre en vidéo, où on s'est bien marré, après des belles rencontres aussi, avec beaucoup d'aide pour ces rénovations-là, et ensuite une magnifique fête de départ, vous avez été nombreux et c'était juste extraordinaire, on était complètement sous l'eau parce que c'était une organisation très pose, et surtout parce que ça nous tenait vraiment à cœur, donc c'était... C'était un sacré truc à organiser, donc voilà, on est super contents, super fiers. Et ensuite, ça y est, on est parti, alors, avec le petit quart d'heure lyonnais, voire un petit peu plus, on va dire les deux jours très pauses, quoi. Mais ça y est, on est on the road. Bon, en tout cas, on est parti. Après, niveau sécurité, on n'est pas au max, hein. Ce qui tient actuellement ma vie, c'est ce crochet. Oh là 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 là, capitaine Crochet, tu es un homme en plein milieu de sa complainte. C'est très impoli, vous savez. En espérant que la marée chaussée ne regarde pas encore DBC. Abonnez-vous par la suite, mais pour l'instant, restez. Ouais, pour l'instant, restez indulgents et. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Gueulez chez gueulez, hein. Et donc, on est allé dans le Charolais vers Vérovre pour aller voir Genèse, une association qui accueille des jeunes pour leur redonner du sens à leur vie, qui se permettent en fait de se redécouvrir, que ce soit professionnellement mais aussi personnellement. Donc ils font des activités, ils vont dans la nature, ils ont tout un travail un petit peu sur eux-mêmes, travail avec la main, le travail de la terre et le travail justement en collectivité pour savoir s'occuper de soi et des autres dans la vie de tous les jours. Donc c'est extraordinaire, c'est des belles rencontres et on vous laisse profiter de tout ça. Je pense que c'est un peu comme dans Heinrich, Docteur Emmerich là. Ah oui, dans Retour vers le futur. Voilà, quand tu passes la vitesse, ouais. Je pense qu'on va partir je dans la cinquième. On va s'envoler. Bon, faut pas s'envoler non plus trop vite et trop loin, parce que vu le bordel que c'est à l'arrière, ça risquerait d'être encore pire. On va juste se mettre un peu de son et puis c'est parti. C'est ça. C'est notre premier visiteur, c'est Emmanuel de l'association Genèse. Bonjour. Voilà, on va faire connaissance, on vient d'arriver. Le problème c'est qu'on est obligé de tout filmer. Hein. Faut tirer d'un coup sec. Faut tirer d'un coup sec, parce qu'on n'a pas remis. Ah oui, on n'a pas encore trouvé le truc d'appelier. Ouais, plus fort encore. Mais oui, mais j'y arrive pas aussi. C'est avec ça. Un vrai flingue. Ouais, tiens. Faut prévoir large, c'est juste à droite. Ok. Comment dire que c'est magnifique? Nickel, ça passe. La ferme de Genèse. Merci. Ah. Merci Emmanuel. Merci de nous accueillir. Avec trop plaisir. Chouette. Voilà. Top. Voilà. Merci pour la conduite, Valentin. Ah le pied. C'est un peu le meilleur moment, ça. Bon, alors Genèse, c'était un choix de papa. C'était mon choix. Pourquoi? Parce que quand on est un père, quand on est une mère, on a envie que ses enfants soient heureux quand ils deviennent adultes. Hein. J'ai décidé d'être heureux. Donc Genèse, c'est une association qui est là pour accompagner des jeunes entre 18 et 30 ans pendant 6 mois pour qu'ils trouvent leur projet professionnel, leur projet de vie. C'est des gens qui ont eu parfois des parcours de vie un peu compliqués. Donc forcément, ça m'a touché. Chez Genèse, ça passe par les travaux manuels. Pas pour devenir un travailleur manuel, mais parce que quand on découvre qu'on a de l'or dans les mains, forcément, on trouve sa voie. Il y a une ferme expérimentale, parce que prendre soin de l'autre, c'est déjà prendre soin de soi derrière. Des travaux chez les particuliers, des travaux de bricolage, des travaux d'entretien de paysage. Et donc, ils vont apprendre à se servir de leurs mains. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils vivent en communauté. La communauté, c'est quoi? C'est apprendre le respect de l'autre. Se déplacer un petit peu, on a ses petites habitudes, mais il y a l'autre qu'on a aussi. Donc, travailler ensemble, vivre ensemble, prendre des responsabilités ensemble, ça apprend à respecter l'autre et donc à se respecter soi-même. Voilà, on est à la ferme de Genèse. Donc on découvre un peu, on a amené ce qu'il fallait pour passer un bon petit moment. Oh génial. Ah les enfants, hey, là, you make my day.
vie est belle. Ouais, la vie est belle. In and out, I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sun. En immersion au poulailler. Au poulailler. Ça me rappelle Souchon. Pourquoi ? Bah la chanson des poulaillers. Ah, je l'ai pas celle-là. C'est bien, ça va me permettre de mettre une musique de transition. Là-dedans. C'est la poussin groom. Là, on a les ados. Poussin groom. Ah, on a les ados. Oh, je vais revoir un robinet. Salut les ados. Ça va les rebelles? Donc, ils sont déjà assez gros. Hein. Ils ont 3 semaines, 4 semaines. 3 semaines, ouais. C'est comme ça? Pas plus d'un mois en tout cas. Waouh, wow. Ça grandit vite. Ah, ça grandit hyper vite. Les garçons ici, nous, tous les vendredis matin, on se réunit, ce qu'on appelle les tables rondes. Et on se sert de ça pour. En gros, pour faire un point sur son état d'esprit de la semaine, état d'esprit collectif. Et on se sert du groupe, c'est pour ça qu'on a les actes pédagogiques, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est la vie collective. Et en fait, on se sert du groupe pour savoir si l'image qu'on a envie de transmettre est bien reçue par les autres. Ah ouais. Voilà. Et donc, y en a un qui va se taire et tous les autres vont dire ce qu'ils pensent de lui, qualité, défaut, quelle qualité prédominante. Qu'est-ce qu'on a encore? Si je devais m'appuyer sur une de tes qualités, laquelle je prendrais? Voilà. Donc, tout ce qui est talent, défaut, qualité, c'est là le vendredi matin. Okay. Et puis tout ce qui est. Toutes les trois semaines, on a un entretien individuel. Donc ça se passe aussi ici, avec chacun des gars pour savoir où ils en sont, quel est leur projet, comment ils avancent, quels sont les engagements qu'ils doivent prendre pour avancer. Voilà. Donc c'est un entretien collectif, un entretien individuel. Exactement. Voilà, les tables rondes. Les tables rondes sur les tables carrées. Ouais, pas mal. Ça, c'est l'algèbre à la française. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, l'espace de l'apéro du soir. On est dans le Brionnais ici ou pas? Ou le Charolais? Hein? Brionnais, c'est. Oui, bah c'est. Ah, oui, c'est ça, ouais. Ah, oui, on est là, d'accord, on a traversé. Ah, excellent. Ah, dis donc, elle est magnifique cette échelle new-yorkaise, on se croit à New York. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chaque autre rat. Que la vie va en toi, tu m'emmèneras. On se partage avec l'outil en main. L'outil en main, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est pas hyper du tout. Intéressant. C'est, donc c'est une association nationale et c'est des artisans qui apprennent aux écoliers, aux jeunes ados, leur métier. Donc là, typiquement, ils font de la menuiserie ici et le mercredi après-midi. Voilà, donc ils occupent les enfants le mercredi hors temps scolaire et ils apprennent le métier artisanal. Mais c'est génial. Et donc les jeunes, en fait, on leur apprend à prendre des responsabilités et puis un peu d'autonomie. En fait, ils ont chacun une responsabilité qu'ils gardent pendant 3 semaines. Et quand on est tout seul dans son appartement, on doit faire les 5 responsabilités. Donc en fait, il y a cuisinier, intendant, responsable matériel, responsable animation et responsable bâtiment et extérieur. L'entretien de finalement. C'est la vie, tout simplement. Ce qu'on doit faire quand on est tout seul, quand on entame notre vie. Voilà, mais ça les aide beaucoup à comprendre, à avancer, et puis à ce que la maison vive correctement. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de maison, il me semble que nous, on a encore un peu de boulot sur le van.
know who it be. It be that one God made funky. Now I dedicate this song to anyone that has ever been hated on, anyone that's been judged by the way they look, by the way they talk, by the way they act, by the way they walk. You know. Voilà, donc on avance bien sur nos petites étagères pour accueillir la belle vaisselle de Camille qu'elle nous a offerte. Donc voilà, ça va être une belle étagère bien commun, ça, entre les sandaux offerts par Jérôme, le parquet d'Amarella offert par Emmanuel et Jeff, et la vaisselle de Camille. Honnêtement, on est au max. Didn't have it, had it, didn't have it, had it again, feel me? Na 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 na. Score out to the haters. Na 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 na. And those who don't understand. Na 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 na. Yeah, tell them. Na 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 na. Na 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 na. Bon, on a déposé Heinrich en fait, on a arrêté, on a changé de véhicule, non? Ouais, finalement, c'est trop long, je crois qu'une bonne berline, c'est de la balle. Bon, faut qu'on vous explique pourquoi on est dans cette très belle mégane. En fait, on est en train d'aller chez Gedimat, placement produit, bien qu'ils ne nous sponsorisent pas, parce qu'on a des travaux non finis à faire. Oh, dis donc, on dirait le levier de vitesse de la... Putain, Heinrich. Pour aller terminer des bricolages qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et comme d'une part on a commencé les bricolages qui sèchent, on ne peut pas trop bouger la Batmobile, il fait pas un temps dingue, il y a des bâches encore sur le toit, et d'autre part ça aurait été long. Ben voilà, on revient de chez Gedimat. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, je sais pas très étanche, si ce n'est pas du tout. C'est une piscine. T'es ok, t'es bat, t'es in. T'es ok, t'es bat, t'es in. J'ai